je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine de soins en direct de ma salle de bain. Je vais commencer par le soir, tout simplement parce qu'on est le soir. Donc là, je suis maquillée depuis 5h15 ce matin. J'ai travaillé toute la journée, donc voilà, je brille un petit peu. Moi, c'est assez rare que je brille, mais là, c'est plus que le maquillage bouge. Là, il est bientôt 20h, donc forcément, ça fait bientôt 15h que j'ai ça sur le visage. Donc, un démaquillage s'impose. En ce moment, je porte du mascara non waterproof. C'est toujours le super héros de chez It Cosmetics. Vous me demandez souvent ce que je porte comme mascara. Je l'aime toujours autant. Mon code promo It Cosmetics est toujours valable. Je vous le mets sous la vidéo si ça vous intéresse. Donc je n'ai pas besoin d'utiliser de démaquillant waterproof parce que c'est un mascara conventionnel. Alors il tient très bien, mais il est objectivement pas waterproof. Hein. Je me suis retrouvée sous la pluie la dernière fois, j'avais des petites couleurs sous les yeux. Voilà, il n'est pas du tout vendu comme waterproof, donc c'est pas un souci. Donc j'utilise un démaquillant pour les yeux de chez Sephora que j'avais reçu et je pensais pas le garder. Et puis en fait je l'aime beaucoup pour justement le mascara non waterproof. La première fois que je l'ai essayé, j'ai cru que c'était un démaquillant biphasé. Je me suis dit, ah, c'est pas hyper efficace, mais pas du tout. C'est vraiment un démaquillant classique. Donc c'est pas très étonnant que ça ne fonctionne pas sur du mascara waterproof. Je lui trouve un petit défaut, c'est que il me pique les yeux. Et moi, j'ai pas les yeux sensibles, donc s'il me pique les yeux à moi, je pense qu'il peut le faire sur d'autres personnes. Mais il est formulé à base de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. La marque Sephora, donc la marque éponyme, ils ont revu toute leur composition. C'est assez chouette ce qu'ils font. Donc je le répartis sur mes deux yeux et je frotte doucement. Donc vous allez voir que ça part très facilement. Et ouais, ça brûle un petit peu. Ça brûle pas comme de l'acide. Mais franchement, le démaquillant Mixa biphasé dont je vous parle depuis des années, que du coup vous n'avez pas vu dans mes produits terminés depuis un petit moment, parce que en ce moment j'utilise précisément pas de maquillage, pas de mascara waterproof. Donc le démaquillant Mixa, il est vraiment top. Je pense qu'il coûte moins cher que le démaquillant Sephora. Vous le trouvez en grande surface, il est assez fabuleux. Après avoir fait ça, je ressemble à un petit raton laveur, quoique là je m'en suis pas trop mal sortie. Et normalement je file sous la douche parce que du coup je me démaquille en même temps que je me lave. Pour des raisons évidentes de pudeur, je ne vais pas faire ça devant la caméra. Donc j'enchaîne avec l'huile démaquillante. Je vous montre vraiment les produits que j'utilise. Du coup il n'y a pas que des coups de cœur, mais voilà, je fais des tests comme tout le monde et puis il y a des choses qui me conviennent et d'autres moins. Et dans la catégorie me convient moins, il y a cette huile démaquillante de la marque On The Wild Side qui m'a beaucoup déçue parce que j'avais beaucoup d'attentes à son sujet. C'est une marque dont j'entends beaucoup de bien, j'ai reçu pas mal de produits de chez eux. Je crois que c'est le premier que je teste et cette huile démaquillante je la comprends pas, je la trouve pas très agréable à utiliser, je la trouve pas très efficace. Elle a une texture un peu lactée, donc c'est pas vraiment gras comme une huile, donc je trouve pas ça aussi efficace qu'une huile plus conventionnelle. Je suis pas convaincue de ce produit. Bon, j'arrive à la fin, c'est pas une catastrophe, mais je trouve qu'il faut beaucoup de produits, c'est pas très économique. Bon, voilà, vous avez compris que je suis pas complètement convaincue. J'en mets dans le creux de ma main, je répartis entre mes deux mains et j'applique ça sur visage sec. C'est comme ça qu'il est conseillé de faire avec les huiles démaquillantes. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon bandeau. Donc je vais avoir un peu d'huile sur le bord des cheveux. Je vais essayer de limiter un petit peu la casse, mais j'ai pas pensé à mettre mon bandeau. En ce moment, en maquillage du teint, je porte soit la CC crème de chez It Cosmetics, qui est à la fois très pigmentée et à la fois qui contient SPF, donc qui a vraiment besoin d'être nettoyée comme il faut. Ou alors je porte la CC Water de chez Arborian, qui du coup a une texture plus imperceptible, qui nécessite pas forcément d'avoir un démaquillage hyper costaud par dessus. Mais voilà, du coup j'utilise l'huile pour tout ça. Voilà, maintenant que j'ai les mains pleines de maquillage et que tout est à peu près décollé, je rince à l'eau tiède. Ça va pas forcément se voir en vidéo, mais j'ai encore des résidus de maquillage. Enfin, je suis pas très très fan de cette huile. Ensuite je passe au nettoyant. Donc moi je fais toujours un double nettoyage comme ça, même un triple nettoyage si on parle du démaquillage des yeux au début. J'utilise le Confidence in a Cleanser de chez It Cosmetics, qui est fabuleux. Sérum nettoyant, hydratant, métamorphosant intense. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas hyper en accord avec la démarche un peu marketing autour des produits de cosmétiques. C'est une marque américaine, donc c'est tout de suite métamorphosant, embellissant, etc. Bon, c'est vraiment juste un gel nettoyant, mais très 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 agréable en termes de texture. C'est une texture gel un peu fluide, qui mousse légèrement. J'en profite, j'ai encore la peau un petit peu humide. Qui se répartit bien et qui permet de parfaire le démaquillage. J'aime beaucoup 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 ce produit. Une petite odeur un peu citronnée, toute légère. Et donc je m'en sers pour peaufiner le nettoyage de la peau. Je veux bien descendre dans le cou, mais de toute façon je pars à la douche derrière, donc je vais faire monter mon gel douche dans le cou pour bien me nettoyer le cou.
Voilà, et ensuite, on répète l'étape rinçage. On dirait que je sors de Roland-Garros avec mon bandeau. Du coup, je suis assez dans le thème. Ensuite, on passe au sérum. J'utilise, comme depuis des années, l'Advanced Night Repair chez Estée Lauder, qui fait partie de ces produits très coûteux, mais que je vous conseille si vous avez les moyens de vous l'offrir. C'est vraiment un sérum qui est incroyable, hyper hydratant, réparateur, qui renforce un peu les défenses naturelles de la peau. Il m'en reste plus beaucoup, je sais que je finirai par le racheter parce que vraiment c'est un sérum que j'adore. Normalement, on est censé utiliser une demi-pipette. Moi, je suis plutôt sur une pipette entière parce que j'aime beaucoup. Et je le mélange avec le sérum authentique Placenta de la marque Biologique Recherche, qui ne contient donc pas de placenta, bien sûr, c'est juste son nom. Alors, je vous avais parlé de la marque Biologique Recherche il y a quelques mois en arrière. J'avais eu une consultation vidéo avec eux en tant que cliente lambda, hein. J'étais pas du tout en collaboration avec eux. Ils avaient ouvert ces créneaux de consultation visio pour garder un peu le lien avec leurs clients pendant les confinements. Et j'avais eu une sorte d'ordonnance de soins et ce sérum m'avait été conseillé par donc la personne que j'avais eue en visio. Je sais pas trop quoi penser de ce sérum, je trouve que couplé à l'Advanced Night Repair, il est bien, mais ça sent très mauvais, ça sent un peu le vinaigre. Je suis pas fan du mode de présentation, flacon en verre avec cette sorte de pipette à l'ancienne. Biologique Recherche, à la fois pour moi, c'est un gros coup de cœur pour notamment le masque vivant que je trouve incroyable. La lotion P50W, je vous fais un petit tour comme ça des produits bien, mais pas incroyable sur mon type de peau, mais c'est vraiment un produit culte, donc vous fiez peut-être pas trop à ce que je vous dis. Et ce sérum, pas incroyable. En tout cas, ça m'a quand même donné envie de tester davantage de choses dans la marque. Mais ce sérum, je sais pas trop quoi en penser. Il est à mélanger à raison de 1 ml, donc quelques gouttes dans sa crème ou son sérum habituel. Ça fait un geste de plus. Très sincèrement, je l'utilise parce que je l'aime et je le trouve pas incroyable. Donc, je viens mettre l'Advanced Night Repair dans ma main. Et ensuite, voilà, je mets, je vais pas vraiment compter, mais 5-6 gouttes. Bon, normalement c'est ce que je ferai après la douche une fois que je suis vraiment toute nue. Et puis pour vraiment le faire descendre dans le cou, dans le décolleté, pour des raisons évidentes comme je vous l'ai dit, on va faire ça de façon un peu plus light pour ce soir. Ensuite, crème de nuit ou huile de nuit. Bon, en ce moment je suis plutôt crème parce qu'on arrive dans l'été, donc ma peau a pas forcément trop de besoin côté nutrition, etc. J'utilise la Confidence in Your Beauty Sleep de chez IT Cosmetics. Je vous ai déjà parlé de cette crème et je vous ai surtout parlé de la Confidence in a Cream, qui est un tiroir de produits terminés parce que je l'ai fini. Donc ça, c'est la version crème de jour, donc vous pouvez tout à fait vous servir comme crème de nuit, que j'adore vraiment, que je vous conseille vivement d'essayer. Ça, c'est la version nuit, qui a une texture un peu plus gélifiée, une couleur un peu plus bleutée, lavande, que j'aime bien, mais pas autant que la Confidence in a Cream, que je serais du coup amenée à utiliser moi matin et soir sans problème. Celle-ci, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange un peu dans la texture, c'est un poil gélifié, mais objectivement c'est une très très bonne crème de nuit qui va redonner de l'hydratation, surtout du rebond à la peau le matin. Quand je me réveille, ma peau est vraiment pas assoiffée, elle tiraille pas, c'est vraiment très confortable. Donc voilà, c'est juste, je pense, une question de plaisir d'utilisation que j'ai un petit peu moins par rapport à la Confidence in a Cream. Mais voilà, c'est un petit peu pinaillé quand même, parce que elle est vraiment très bien. Et ensuite, pour le contour des yeux, j'ai deux produits différents. Ce que j'utilise quasiment tous les soirs, c'est le sérum Regard Reset Nuit à l'Immortel de la marque L'Occitane. Je vous en ai beaucoup parlé, ce produit. C'est vraiment un sérum pour le contour des yeux qui a une texture incroyable, un peu gel, mais ça rentre très vite dans la peau. Très 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 bons effets sur moi, sur les ridules, sur l'hydratation du contour de l'œil. C'est vraiment un produit que j'adore. Je suis très contente de reprendre un flacon parce que c'était un de mes plus gros coups de cœur dans la marque de ces derniers mois. Mais ce soir, je crois que j'ai besoin d'un petit patch parce que je me suis levée donc à 5h15 ce matin. Je me relève à nouveau à 5h15 demain. Donc un petit boost d'hydratation ne me fera pas de mal. Ce sont les patchs gel de régénération nocturne pour les yeux de la marque Patchology, qui, comme son nom l'indique, est une marque qui fait des patchs pour à peu près tout et rien. Je crois qu'il y a même des masques pour les pieds, pour les mains, enfin voilà, c'est un truc assez, une marque assez rigolote. Donc ce sont des patchs qui se présentent comme ça. Vous avez une petite cuillère, une petite spatule plutôt pour venir les décoller. Et ce sont, je vais pas y arriver, ce sont des patchs en gel qui sont très 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 imbibés. Je sais pas si ça se voit forcément. Il y a vraiment beaucoup de produits dessus et vous pouvez les garder 10 minutes, un quart d'heure, une heure, la nuit entière. Bon, moi la nuit entière ça me dérange un peu, mais je les garde en tout cas au moins une heure.
le temps que je lise mon bouquin du soir ou un truc comme ça. Et oui, les patchs se mettent dans ce sens-là, je vous le dis, parce que je pense que c'est pas forcément ce qu'on imagine quand on ouvre une boîte de patchs comme ça. Mais voilà, le côté le plus large se met vraiment sur l'extérieur de l'œil et le plus fin vers le, bah, vers le coin interne. Voilà, et maintenant que j'ai perdu toute dignité avec mon bandeau, mes patchs, je vous dis à tout de suite pour la routine du matin que je vais filmer du coup dans quelques jours, parce que comme vous l'avez compris, demain je me lève à 5h15, donc j'aurai pas le courage de filmer ça si tôt, mais voilà, peu importe si les deux routines se suivent pas. Je vous retrouve pour la suite juste après. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la routine du matin avec mes voisins qui font toujours des travaux, mais je pense que vous allez quand même réussir à m'entendre. Quoique, si ça commence comme ça, ça va être un peu plus compliqué. Donc le matin, je me renettoie pas le visage, sauf si j'ai appliqué genre un masque de nuit, un truc très très riche, qui fait que j'ai comme une texture sur la peau qui me dérange pour pouvoir appliquer mes soins derrière. Ce qui n'est pas le cas cette nuit, j'ai fait exactement la même routine que je vous ai présentée dans le début de la vidéo. Donc j'attaque tout de suite avec les soins. En ce moment j'utilise le sérum botanique booster éclat anti-tache de chez Sève. C'est une marque dont j'ai entendu beaucoup de bien, ça fait plusieurs fois qu'ils m'envoient leurs produits et j'ai pas encore eu l'occasion de les tester, donc là je me suis dit je m'y mets. Alors je n'ai aucun avis à vous donner au sujet de ce sérum parce que ça fait 4 ou 5 jours que j'utilise, donc c'est vraiment, vraiment trop court pour vous dire ce que j'en pense. Au niveau de la texture, c'est un petit sérum lacté, moi c'est vraiment tout ce que j'aime, ça rentre hyper vite dans la peau, ça peluche pas. C'est très similaire à la texture du sérum Vino Perfect de chez Caudalie d'ailleurs, qui promet les mêmes choses que ce produit, à savoir une action éclat et une action anti-tache. Ma peau se porte pas trop mal en ce moment, mais j'ai toujours un peu des cicatrices qui se baladent sur le front, un peu sur le menton. J'ai cette tache qu'il faut que je fasse enlever chez un dermato absolument, ça fait des mois que je le dis. Il faut que je m'en occupe, mais je voulais pas trop faire ça en été, donc je ferai ça peut-être un peu plus tard dans l'année. En tout cas, en termes de plaisir d'utilisation, de texture, etc., c'est tout ce que j'aime, mais pour l'efficacité, je peux pas me prononcer. Ensuite, crème de jour, et qui fait du coup aussi base de teint, parce que je vais me maquiller derrière. Je vais avoir une collaboration dans peu de temps, cette vidéo ne fait pas du tout partie de la collaboration, avec la marque Mixa, qui est de loin ma marque chouchou en grande distribution, et ils sont en train de revoir toute leur composition, ils ont une super gamme bio. Et je teste donc la crème visage des peaux sensibles certifiée bio, beurre de karité, vitamine E. C'est un format de 100 ml, ça coûte rien du tout. Franchement, je suis vraiment convaincue par cette crème que je trouve parfaite. Elle a rien à envier aux crèmes de grande marque, aux crèmes plus coûteuses. En termes de composition, moi je suis pas la pro des compos, donc je me tourne souvent vers des applis pour avoir au moins une idée des ingrédients à éviter, etc. Cette crème, elle a une note de 16 sur 20 sur Insee Beauty, qui est vraiment l'application que j'utilise pour avoir un regard assez fiable sur les produits que j'ai et que je teste. La texture est parfaite, elle a une odeur toute légère, elle rentre vite dans la peau, elle hydrate sans coller, sans effet gras. Vraiment, je suis hyper convaincue par ce produit. Je suis très contente de pouvoir collaborer avec donc à l'avenir avec une marque de grande distribution. Voilà, je vous présente parfois des produits qui sont coûteux, là c'est pas le cas et je suis hyper contente. Et ensuite, contour des yeux. Alors j'en ai deux, quand vraiment j'ai le temps de me maquiller, j'utilise le Minéral 89 version yeux, qui est très bien mais qui met un tout petit peu de temps à pénétrer. Et si vraiment je veux me maquiller rapidement derrière, donc le Minéral 89, ça serait plus pour le week-end. En semaine, j'utilise davantage le Hyaluronic Eye Complex de chez Evolve Beauty, qui est vraiment un produit génial. Je crois que c'est mon troisième flacon. C'est un petit sérum contour des yeux à l'acide hyaluronique qui se présente sous forme de petits flacons en verre avec une bille. Ça hydrate, ça fait une super base de maquillage aussi, ça colle pas, ça s'oublie rapidement. Vous avez à peine besoin de le masser, ça rentre tout de suite dans la peau et je trouve que pour le matin c'est génial. Voilà pour les soins du matin, donc c'est pas très compliqué mais j'aime bien que ça aille assez vite. Bon, y a quand même un sérum, une crème, un contour des yeux. Si vraiment je veux que ça aille hyper vite, j'appliquerai que la crème vraiment un matin où je suis méga pressée. En règle générale, j'ai le temps de faire tout ça, même quand je me lève très tôt le matin, ça me pose pas de soucis. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est la protection solaire. Donc moi, en ce moment, j'utilise soit... j'arrive pas à la retrouver. Bon bref, la CC Water d'Herborian, qui n'a aucune protection solaire à l'intérieur, auquel cas j'applique le SPF 30 de chez Paille. C'est le deuxième été que j'utilise, c'est une crème solaire qui est géniale, qui se fait vraiment oublier sur la peau et qui a une très bonne protection solaire anti-UVA, anti-UVB. Donc ça je l'utilise dès que je porte du maquillage qui ne contient pas de filtre solaire. Et si je porte ma CC crème dite Cosmetics qui elle a un SPF 50, je ne mets pas cette crème solaire en dessous. Mais en fait, même si j'applique la protection solaire, je mettrai toujours une petite couche de crème hydratante
peut-être un tout petit peu moins importante pour éviter d'empiler les couches, mais voilà, la protection solaire c'est le petit plus si je m'expose ou si je sais que je vais passer une longue journée dehors et que j'ai pas de protection solaire dans mon maquillage. Voilà pour ma routine de soins du quotidien, je vous parle juste des petits extras quand j'ai un petit souci de peau ou je fais un petit gommage. Pour le masque, donc le masque vivant de Biologique Recherche dont je vous ai parlé, gommage en ce moment, j'utilise le Yoglow de chez Wishful. J'en suis pas très contente. Je sais pas, je peux pas expliquer, mais je suis pas très très fan du produit, donc je regrette un peu de l'avoir acheté. Et en cas de bouton, si j'ai vraiment une zone complètement enflammée, je suis toujours très très fan du Promise Keeper Blemish Sleeping Facial, rien que ça, de chez Allies of Skin, qui est un produit hyper coûteux, vraiment, qui coûte 150 €, donc faut avoir envie de dépenser de l'argent là-dedans, puis il faut avoir surtout la possibilité de dépenser autant d'argent. C'est un produit qui est incroyable, mais franchement c'est très 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 cher, même pour même avec tout le bien que j'en pense, on va dire. Et un petit produit pour le coup qui coûte pas cher, la lotion anti-imperfection clarifiante de chez Sephora, de la marque Sephora. Vous trempez un coton-tige au fond dans cette espèce de pâte argileuse et vous le placez sur les boutons inflammés. Ça coûte 3 fois rien, ça dure une éternité. Ça, vous pouvez foncer, c'est un investissement sur le long terme et qui coûte pas cher. Voilà pour ma routine de soins. J'enlève mon bandeau, vous m'aurez vu en mode Steffi Graf pendant toute la vidéo. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.